Bismillah, salat wa salam ala rasulillah, salam alaykum wa rahmatullah. جد سعيد لأكون معكم ألقي محاضرة كنت أود أن ألقيها بالفرنسية لكن سألقيها بالعربية. طبعا صعوبات كثيرة ربما لنا ضيوف لذلك سأضطر لاستعمال الفرنسية بطريقة كثيرة. Mes chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous pour vous parler d'un thème d'actualité qui bouleverse l'infectiologie, comme on nous l'a enseigné tous, c'est-à-dire microbes méchants, microbes gentils, diabétiques, etc. Il y a l'antibiotique, il n'y a pas. Maintenant, la conception de l'infectiologie, c'est un conflit, une guerre entre le génome de du microbe, virus, bactéries, champignons, et d'un autre côté, le génome humain. Et donc, toute infection, aussi banale soit-elle, entre parenthèses, par exemple, la grippe, eh bien, de plus en plus de gènes sont publiés qui prédisposent à ces infections. Donc, le gène de prédisposition à la sévérité de la grippe existe, et la tuberculose. Moi, je vais vous parler de la prédisposition à la tuberculose. إذن القابلية الوراثية للسل أقدمها في هذا المؤتمر المهم مؤتمر إم جي ماروك وشكرا للدكتور الوفي كافي لي استدعاني ولرئيسة رئيسة الجمعية السيدة دكتورة مشيش العالمي فاطمة الزهراء وأنا جد سعيد أن أكون معكم وأعتذر عن هذا هذه السرعة نظرا لأنني سأستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي في الدار البيضاء هذه المساء. طيب. D'abord, je voudrais vous dire que maintenant, en 2017, 50% des tuberculoses graves de l'enfant sont génétiquement déterminées. Sûr, il y a un gène qui a fait que la tuberculose est grave. S'il n'y avait pas ce gène, c'est-à-dire la mutation de ce gène, la tuberculose n'aurait pas été grave. C'est essentiellement pour la tuberculose une réponse immunitaire spécifique à toutes les mycobactéries. Je vais vous l'expliquer, mais ces enfants-là, des jeunes, ils sont immunocompétents contre tous les microbes, tous les virus, sauf les mycobactéries. Ok. Donc BCG, ça va être très grave, généralisé, mortel. Tuberculose, ça va être très, 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 très grave. C'est la méningite tuberculose et la miliaire. Et maintenant, on arrive à confirmer cette anomalie génétique, c'est 50% des patients. Conséquence pratique très importante, vous allez voir à la fin, je vais le dire et le répéter, je crois, d'emblée. Tuberculose grave égale un bilan immunitaire. D'ailleurs, maintenant, toute tuberculose, c'est sérologie VIH, vous le savez. Mais là, en plus, surtout chez l'enfant, sérologie négative, eh bien, il faut explorer l'immunité. C'est pas normal. C'est pas normal. Un être humain normal, homo sapiens, sapiens, nous, ne doit pas être infecté par la tuberculose. La tuberculose est une infection opportuniste, socialement, mais aussi génétiquement. Et donc, aux antibacillaires, maintenant, on aura soit à donner de l'interféron gamma comme injection, soit une allogreffe de moelle osseuse pour donner à ces enfants un lymphocyte qui fonctionne bien. C'est quoi cette histoire de axe interleukine 12 interféron gamma? Vous voyez à gauche, là, c'est le macrophage polynucléaire, par exemple. Et là, le lymphocyte T, le patron du système immunitaire, généralement le CD4. D'accord? Quand une mycobactérie rentre dans l'organisme, MT, ça veut dire Mycobacterium tuberculosis, il est ingéré, il est à l'intérieur de la bactérie, eh bien, elle ne peut rien faire, la bactérie. Elle ne peut pas le tuer. Sauf si elle a l'ordre du patron. Le patron, c'est le lymphocyte T. Donc, la première chose, il faut l'informer qu'il y a une bactérie qui est rentrée. Eh bien, il lui envoie à l'interleukine 12, cette cytokine. Quand elle arrive chez le lymphocyte T,
il comprend ce qui se passe. Mais là, il faut avoir une oreille, il faut entendre, il faut avoir un récepteur. Et s'il comprend le message, donc il faut un récepteur, il va répondre par la production de l'interféron gamma. C'est par ce biais-là que le macrophage, le polynucléaire, reçoit l'ordre de tuer la mycobactérie. S'il n'a pas cet ordre, il ne le tue pas. Mais il faudrait aussi que le macrophage ait un récepteur d'interféron gamma. Donc ça, c'est très facile, très simple. Je vais vous montrer un peu la réalité. La réalité, c'est ça. C'est la mycobactérie, quand elle rentre, la voilà, dans un phagosome, elle doit envoyer l'interleukine 12, c'est celle-là, qui va vers le lymphocyte T. Mais il doit y avoir un récepteur. Là, cette branche du récepteur n'existe pas chez certains enfants qui font la méningite tuberculose. D'accord ? Tout ce qui est rouge, c'est des déficits qu'on peut avoir. Une fois l'interleukine 12 fixée ici, il y aura un signal qui va arriver là, on appelle ça transduction du signal, et le noyau peut ordonner la fabrication de l'interféron gamma, le voilà, qui va donner l'ordre au macrophage, mais encore faut-il que le macrophage ait un récepteur de l'interféron gamma. Donc on peut avoir l'absence de l'interféron gamma 1, récepteur 1, récepteur 2. Ensuite, pour faire passer le signal vers le noyau, pour tuer, il faut le STAT1. Donc tout ce qui est rouge, c'est un gène identifié. Il y a plus de 10 gènes maintenant, et pour chaque gène, il y a différentes mutations. Et donc nous sommes à peu près dans une vingtaine de maladies actuellement enregistrées, connues, qu'on regroupe sous le nom de Mendelian susceptibility. C'est une susceptibilité mendélienne, héréditaire, au mycobactériel, to mycobacterial disease. La tuberculose, elle infecte un tiers de la population. Un tiers de la population mondiale a été en contact avec la tuberculose. Mais jusqu'à 20% des personnes, 20%, ne vont pas être infectées. Mais s'ils tombent malades. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire un virage de l'intradermoréaction. Tellement ils sont résistants à ça. Ils ne vont pas faire un virage de l'intradermoréaction. Et 80 à 90%, comme vous le savez, c'est la primo-infection, parfois seulement un virage de l'intradermoréaction, parfois d'autres manifestations, le chancre d'inoculation avec l'adénopathie et le chancre qui constitue le complexe primaire, parfois une infection extra-respiratoire. Parmi ces malades-là, 90% qui sont infectés ne présenteront jamais aucun signe clinique. On saura qu'ils ont été au contact seulement par le virage de l'intradermoréaction. C'est clair. Et seulement 10% feront quelque chose. Cette quelque chose peut être de la primo-infection jusqu'à la tuberculose méningée, neuroméningée. Alors, ces tuberculoses-là, des 10%, eh bien, 50% vont héréditairement, ils ont des gènes de résistance. Et 80 parmi ces 100 seront infectés. 80. Sur ces 80, 90% de 80, c'est 72. OK ? 10% de 80, c'est combien ? C'est 8. 8 enfants, 8 personnes, 4 enfants feront la tuberculose. La grande question. Pourquoi ? Limada faqat 4 fi al-mi'a satakunu 'indahum sayusabuna bis-sul da'sul min ash-shakl al-wakhim. Limada faqat 4 fi al-mi'a. Hada huwa as-su'al. نكمل بالعربية لأن هذا جسي العلوي اللي هو الطبيب دار الأطروحة ديالو باللغة العربية في الطب المجتمعي. إذا عندنا nous avons 10% d'individus qui vont faire une infection. Donc la question est pourquoi. Alors maintenant, toute ma présentation, ce qui va suivre, c'est je vais essayer de vous donner quelques réponses sur ça. Alors le siècle dernier, il y a eu des études familiales, d'associations. Et on a pensé, on a dit que c'est pas possible, dans certaines familles, il y a beaucoup de tuberculose, donc c'est probablement familial, c'est probablement héréditaire. Mais il y a seulement une décade, une dizaine d'années, qu'on a commencé à trouver
des gènes, des mutations. Et donc, je vais vous parler d'abord de ce qu'on a connu au cours du siècle dernier, c'est qu'il y a des facteurs humains qui font un peu la différence. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une étude avant les antibacillaires, une étude allemande, qui a essayé de répertorier les causes de décès en fonction de l'âge. Donc ça, c'est bien avant les antibacillaires. Et donc, les enfants mouraient par tuberculose disséminée et les adultes de tuberculose pulmonaire. Donc déjà, il y a deux tuberculoses. Hein. La tuberculose de l'enfant est très différente de celle de l'adulte. En pédiatrie, elle est post-bacillaire. Nous avons très rarement un cas positif. Et elle est très méchante. D'autres données, par exemple, on a vu les entourages de patients malades qui ont la tuberculose. On a essayé de voir dans leur entourage familial. Et on a trouvé dans leur entourage familial que les conjoints, d'accord ? Si quelqu'un est tuberculeux, sa femme fera la tuberculose si dans sa famille il y a beaucoup de tuberculose. Si dans sa famille il n'y a pas beaucoup de tuberculose, la probabilité est basse. On a trouvé ça. Constat épidémiologique. Et puis on a vu chez les jumeaux, les vrais jumeaux, quand un fait la tuberculose, eh bien 66% l'autre le fera. 3 fois sur 4. Sur 4 jumeaux, frères jumeaux, sœurs jumelles, qui sont en contact avec le BK. Si un fait la tuberculose, 3 autres feront la tuberculose. C'est 4 sur 3, 3 sur 4. Par contre, s'ils ne sont pas de vrais jumeaux, c'est seulement 1 sur 4 qui fera la tuberculose. Donc tout ça, c'est des éléments historiquement en faveur d'une prédisposition génétique. Puis il y a eu le gène qui permet la destruction des mycobactéries, tout ça. C'est des études sur les souris qui n'ont pas été transposées chez l'homme. Par contre, au cours des 10 dernières années, 10 jusqu'à maintenant 20 dernières années, on a identifié un locus majeur de résistance. Donc, les personnes qui ont ce locus n'auront pas un virage de l'intradermo-réaction. On a trouvé la tuberculose chez des enfants qui ont des valeurs de l'interféron gamma très basses. Mais ces études, on ne les a pas trouvées chez les adultes. Donc, chez l'enfant, on a pu progresser. Et, par exemple, pour les tuberculoses sévères de l'enfant, en général, ce sont des tuberculoses extra-respiratoires, neurologiques, miliaires, disséminées, ostéo-articulaires, abdominales. Le risque de développer une forme sévère, il est de presque 20% avant l'âge d'un an. Et seulement 0,5% après l'âge de 5 ans. Mais je dois attirer votre attention, quand on parle de l'âge, on parle des survivants. Et là, quand tu dis une nombre de l'enfant qui a 5 ans, tu vois maintenant, tu vois 100 et tu vois. Tu ne penses pas que les gens qui ont été en train de se faire, tu ne sais pas si tu veux que nous soyons. C'est ça qui fait un peu ce pourcentage. Et on a identifié ce grand groupe, hein, maintenant qui est très connu, le Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Disease. Hein. C'est des enfants qui font des tuberculoses, des mycobactérioses au BCG. On le vaccine pour le BCG, 3-6 mois après, il fait tuberculose disséminée et il meurt. C'est très difficile pour certains, même pour des pédiatres, de penser que c'est la tuberculose, c'est le BCG qui est... Quand on fait une adénopathie à gauche, en regard, bon, le lien est facile, mais que tu es à 1 ou 2 ans après, tu fais une mycobactériose à BCG de l'os, on ne va pas faire le lien facilement, ou la larade. Et donc, on a identifié 9 gènes, interféron gamma récepteur 1, interféron gamma récepteur, interleukine 12, récepteur de l'interleukine 12, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Tous ces gènes affectent cette façon de répondre à la tuberculose, qu'on appelle l'axe interleukine 12, interféron gamma. Le macrophage doit informer le lymphocyte T par l'interleukine 12. Et le lymphocyte doit donner l'ordre au macrophage par l'interféron gamma. C'est cet axe-là qui est génétiquement perturbé, bloqué parfois, qui fait que
nous avons des enfants qui ont des tuberculoses très sévères. Petit exemple, cet enfant vacciné et qui fait... il est à droite vacciné, cet enfant, mais il n'est pas marocain. Et vous avez vu, au niveau des phalanges, partout, hein, c'est horrible. Et c'est ces malades-là qui ont permis à Jean-Laurent Casanova, à l'hôpital Necker Enfants Malades, au cours des années 90, d'identifier ces premiers gènes. Ce genre de patient ne peut guérir que par greffe de moelle osseuse. C'est les formes sévères. Bon, cet enfant-là n'a pas ce récepteur. Même si l'ordre est arrivé, l'ordre est donné, mais l'exécution ne peut pas se faire parce qu'il n'y a pas le récepteur de l'interféron gamma. Donc, on a commencé un peu à comprendre pourquoi il y a tuberculose sévère, parce qu'on a trouvé des familles qui font des BCJ de sévères. On a trouvé des familles qui font, certains font BCJ et d'autres font quoi? Ils font la tuberculose. Donc, on a trouvé des familles qui sont très sensibles aux mycobactéries, que ce soit tuberculose, la BCG et les mycobactéries environnementales qui sont de vrais, vrais germes opportunistes. Et maintenant, Eureka, c'est-à-dire qu'au cours des 5 dernières années, donc il y a les récentes publications, on a trouvé bel et bien des malades qui font la tuberculose, qui ont un gène malade, mais qui n'ont pas fait de BCG, même si on leur a fait le vaccin par le BCG. On pense que ces mutations-là, ces gènes, on pense, sincèrement, que ces mutations-là prédisposent exclusivement à la tuberculose. Et aujourd'hui, nous pensons que jusqu'à 45% à 50% des tuberculoses extra-pulmonaires sont génétiquement déterminées. Chez l'adulte, il y a très peu d'études, d'accord? On a trouvé des associations dans certaines populations avec ce gène de la souris qui la prédispose à la tuberculose. Vous savez, cette histoire d'association maladie avec le système HLA. Si on trouve le type HLA, c'est bon, c'est en faveur, mais si on ne le trouve pas, ça ne peut pas éliminer. C'est une association, ce n'est pas une cause. Et on a essayé chez l'adulte, parce qu'on est un peu déçu. Chez l'enfant, on a trouvé vraiment 50% des malades ont une mutation. On a fait l'analyse du génome entier, décevant. Il y a une étude marocaine, les Marocains sont très en avance sur ce projet, grâce à la collaboration avec l'équipe de celui qui a découvert ça, le Jean-Laurent Casanova à Necker et à Rockefeller Université. Et donc, on a trouvé un locus majeur, un locus de prédisposition à la tuberculose pulmonaire. J'ai mis d'abord à dire l'hôpital militaire. C'est très, très intéressant. Et puis, on a trouvé d'autres associations. Donc, en conclusion, on peut dire sincèrement, aujourd'hui, que la tuberculose est une prédisposition. Il y a un facteur social, oui. Bon. Et vous savez que l'incidence a diminué avant les antibacillaires quand le niveau de vie s'est amélioré. Mais c'est toujours une balance, hein. Il y a une pression par l'environnement et il y a une prédisposition génétique. Si la prédisposition génétique est très forte, il suffit de très peu de pression sociale. Si une prédisposition avec une mutation gentille, il faut vraiment être 10 dans une chambre avec une promiscuité pour avoir la tuberculose. Vous savez, c'est un conflit entre deux génomes. Et c'est un spectre continu. Vous allez voir, par exemple, chez l'enfant, c'est un contrôle monogénique. Hein, c'est comme la transmission des yeux bleus. Hein, quand on a le gène, s'il est dominant, on est malade. S'il est récessif, il faut avoir les deux allèles. Il y a une hérédité chez l'adulte. On trouve des associations, mais qui est complexe, polygénique. On n'a pas encore bien compris. Il y a des gènes majeurs, comme le gène qui a été identifié par l'équipe marocaine, chez des patients marocains atteints de tuberculose pulmonaire. Et donc, ça rentre dans cette théorie de maladie, théorie génétique des maladies infectieuses. Donc, je vous dis que, par exemple, aujourd'hui, on sait que toutes les encéphalites herpétiques de l'enfant sont des maladies héréditaires. On sait, par exemple, aussi qu'il y a les formes sévères de grippe sont définies par un gène particulier. On sait que toutes les candidoses cutanées muqueuses chroniques sont des maladies héréditaires génétiques avec plusieurs gènes. Ceci est là et aujourd'hui, et c'est une révolution dans le traitement, il y aura beaucoup de biothérapie dans ces prédispositions. Les implications directes, hein,
Maintenant, vous êtes des omnipraticiens. Je suis très content que Dr. Loefi, quand on a discuté il y a un mois pour programmer cette conférence, je lui ai proposé deux ou trois thèmes, il m'a demandé de proposer, puis il m'a proposé d'autres, puis on a discuté, et il a choisi ce thème. Moi, je pensais que c'était un peu très spécialisé, trop peut-être. J'ai dit non, finalement, c'est quelque chose de point d'actualité. Je suis très, très content que Dr. Loefi et le bureau aient choisi ce thème, parce que c'est une réalité maintenant dans un pays d'endémie de tuberculose, d'un fort taux de consanguinité au Maroc, eh bien... Tuberculose extra-pulmonaire, hein, on peut déjà dire ça. On fait le VIH, mais il faut faire un bilan immunitaire. Hein. C'est pas normal qu'un adulte fasse une tuberculose ostéo-articulaire. C'est pas normal. Digestive, neuro-méningée, non. Même un adulte. Chez l'enfant, maintenant, on le fait systématiquement à l'hôpital d'enfant. Et pour le traitement, on va ajouter l'interféron gamma. Et pour les formes graves, eh bien, nous avons la greffe de moelle osseuse. Il faut greffer ces enfants. Ils ne peuvent pas guérir. Qu'est-ce que... L'interféron gamma, il n'a pas le récepteur de l'interféron gamma. Donc, il n'y a que la greffe de moelle. Donc, ça, c'est deux papiers, un qui est en français en bas, un en haut qui est en anglais, vous pouvez les voir. Je dois aussi remercier mes équipes dans le laboratoire où je travaille, le laboratoire d'immunologie clinique d'inflammation et d'allergie, qui est un laboratoire accrédité par l'université Hassan II. Et on travaille vraiment... collaboration avec plusieurs services qui s'intéressent à l'infectiologie adulte-enfant, en dermaton, en gastro, en pneumon, donc on travaille tous, en immuno-hémato, allergo. Et l'équipe de la Moroccan Society for Primary Immunodeficiency, c'est un réseau national qui comprend tous les CHU et qu'on travaille sur ces projets maintenant avec beaucoup de résultats, nous sommes très contents. Bien sûr, nos amis de France et de New York, merci pour votre attention.